Après les audiences de l'été, l'heure du rapport est arrivée et les commissaires du BAP ne mâchent pas leurs mots. Selon eux, rien n'indique que le tramway soit le meilleur choix pour Québec. L'option de métro n'aurait pas été suffisamment étudiée. C'est un rapport qui est franchement gênant pour un projet de cette ampleur-là. De quoi faire bondir le maire Labeaume qui voit aussi les commissaires mettre en doute les cibles d'achalandage de la ville. D'après les prévisions dévoilées, l'augmentation des usagers du transport collectif pourrait friser les 40 % en 20 ans grâce au tramway. Or, le rapport du BAP rappelle que la ville mise beaucoup sur une toile de parcours d'autobus dans les périphéries pour rabattre de nouveaux clients vers son réseau. Un projet qui n'est pas encore financé et qui ne fait pas partie de l'enveloppe budgétaire du tramway. Il ne s'agit pas d'un rapport d'analyse, mais plutôt d'un rapport de consultation tronqué, biaisé et rempli d'incohérences. C'est une très belle journée. L'opposition officielle à l'Hôtel de Ville ne cache pas sa joie, après des années à militer contre le réseau structurant. Québec 21 rappelle que la ville pourrait devoir abattre plus de 1700 arbres matures le long du tracé. C'est ce que ça fait, ça détruit des quartiers, ça coupe des secteurs en deux. C'est ça, un tramway. Les propos de mon collègue sont faux et alarmistes. Démocratie Québec demande que le réseau soit amélioré et interpelle le ministre des Transports, François Bonnardel. Celui-ci insiste pour que le projet de tunnel sous-fluvial avec Lévis soit connecté au réseau structurant en plein centre-ville de Québec. Mais il tarde à dévoiler ses plans. C'est le gouvernement du Québec qui va devoir spécifier ses attentes. Et par rapport, par exemple, à la fusion des deux bureaux de projet, la sortie du troisième lien sous-fluvial, on ne sait pas ce qui se passe. Le cabinet de la ministre responsable de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbeault, s'est refusé à tout commentaire. Nous avons le bon projet. Nous devons aller de l'avant. Le gouvernement doit réagir au rapport du BAP plus tard cette semaine.